Et coucou la compagnie, on se retrouve dans une position un petit peu particulière avec des cernes du futur, mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va comparer deux sèche-cheveux brosse. Il est hors de question que je mette 500 balles dans un sèche-cheveux. J'ai eu pendant plus de 15 ans, cette brosse-là de chez Babyliss. Soit je rachète la même, soit je garde l'une des deux que j'avais envie de tester. Donc, en premier, il y a la Remington, comme ça, Kératine Protect. Les deux, j'ai acheté sur l'Amazon. Ici, on a on a un embout soufflant, on a un peigne et deux petites pinces. C'est accessoire. Bonjour, jeune homme. Les enfants jouent au sable, je vous dis pas, j'ai une salle de bain qui ressemble à une plage. Et en second, on a le Revlon, comme ça, la Maxi Brosse. Salon One Step, ça c'est connu pour faire du volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié de ma tête avec celui-là et l'autre moitié avec celui-là. Comme ça je saurai lequel des deux je préfère, ou si c'est aucun, eh bien écoutez, je reviendrai à ma bonne vieille brosse Babyliss. C'est parti, je vous mets en accéléré parce que clairement ça va pas être intéressant du tout, mais vous allez voir que moi c'est rapido, rapido. Bon, eh bien, voilà, les deux côtés sont faits avec deux brosses totalement différentes parce qu'il y en a une ronde et une qui est beaucoup plus grosse déjà et ovale. Limite, je trouve ce côté par ici plus plat que l'autre. Alors que ici, je l'attache avec une pince. En termes de brillance, j'ai l'impression qu'ici c'est un petit peu plus brillant aussi. Au toucher, j'ai la même sensation. Limite, j'ai plus de nœuds par ici que par ici, j'en ai aucun. Vous voyez, ici j'accroche partout. Ouais, je sais pas, je suis pas absolument convaincue par les deux. J'ai tellement été habituée, je vous dis, pendant plus de 15 ans, avec ma Babyliss de base que j'utilisais, que je tournais de la manière que je voulais. En fait, j'ai l'impression que ça. En fait, j'ai l'impression que ça, c'est gadget. Il faut vraiment, ou alors c'est à force, c'est avec l'habitude, mais il faut savoir dans quel sens on tourne. Bah parce que sinon ça fait l'inverse. Je suis pas très fan. Et ça, j'ai l'impression que ça sèche pas de fou. Je sais pas, ça donne pas un mouvement. C'est pas sec à fond, j'ai l'impression. C'est
C'est pas sec à fond, j'ai l'impression, et je sais pas. Par contre, il n'y a pas du tout de nœud, forcément, c'est brossé, c'est vraiment les picots, donc c'est brossé, on voit, hein, c'est. Mais. Je sais pas. Maman, Où est mon chat? est-ce qu'aujourd'hui Bah non, la piscine, on l'a vidée, mon cœur. Il n'y a plus d'eau dedans. dans la piscine? Hein? Franchement, je sais pas. Je suis pas convaincue à 100% en fait. Et vu que moi, je sais pas. J'utilise vraiment que ça. Après, j'ai On un. peut jouer à la piscine pour voir s'il y a du temps, ouais. Je vais te montrer, mais en vrai, je te mens pas, hein, il n'y a plus d'eau. Je peigne pour enlever les cheveux, j'ai horreur de ça. Je sais pas, je suis pas convaincue ni par l'une ni par l'autre. En fait, je fais pas un waouh. Vous voyez? Je fais pas waouh, wow, super, j'ai trouvé le sèche-cheveux pour les 15 prochaines années. Non, pas du tout. Je vous disais, en fait, quand vraiment je les veux lisse lisse, je prends mon lisseur GHD que j'ai pareil depuis 10 ans, mais ça arrive très rarement puisque vous voyez, dès que je les sèche, en fait, j'ai pas besoin de lisseur, des fois mis à part pour faire une forme, mais rien que si je les brosse. En fait, j'ai pas besoin de lisseur, donc c'est vraiment un accessoire que j'utilise, on va dire, 4-5 fois dans l'année. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement, pas du tout, et heureusement. Mais voilà. Mais maintenant, en fait, depuis que j'ai les cheveux courts, j'utilise quand même le sèche-cheveux presque à chaque séchage. Et donc, j'ai quand même envie d'avoir. J'ai un sèche-cheveux basique que monsieur utilise pour lui se coiffer. Mais moi, j'aime bien avoir la brosse parce que sinon, il faut prendre les brosses rondes, la brushing, et je suis pas très fan. Donc, je sais pas. Je pense que je vais retourner les deux parce que je suis pas convaincue. Je continue mes quêtes, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est minuscule, mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, je n'arrive pas à choisir et même si je regarde des vidéos, je ne trouve pas mon bonheur. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très vite.